Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un unboxing très très spécial. Commençons. Donc ici, on a un grand carton, très lourd, donc 7 kilos, voilà, voilà. Et à l'intérieur, voilà, on a ça. Donc j'ai déjà déballé le carton. Donc ici, on n'a rien. Ici non plus. Donc déjà ici, on a une tige. Donc c'est vraiment très très bien emballé. Voilà, donc on a une tige. Voilà. Et dans celui-ci, on a ici, on n'a rien. Donc je découvre le contenu avec vous. Ici, on a un boîtier. Voilà, je sais pas à quoi il sert. Ici, on a une équerre, de la visserie. Voilà, on a de la visserie. Et ici, ce qui nous intéresse le plus, voilà. Donc c'est un lampadaire. Un lampadaire de rue. Voilà. Donc ici, on a un ballast. Ici, on a un ballast avec douille en porcelaine. Voilà. Donc il n'y a pas d'ampoule. Donc c'est un ballast Philips. Voilà, voilà. Donc ici, la terre. Enfin voilà. Hop. Ça, c'est la coque. Juste ici. Je vais mettre ça. C'est. Sortir ça. Tac. Et enlever ça. Donc ici, on a ça. Ensuite, on a la tige pour mettre le lampadaire. On a le ballast pour cette ampoule là. Voilà. Voilà. Donc c'est pour amorcer cette ampoule. Voilà, voilà. Un ballast quoi. Voilà. Donc ça, c'est un transformateur pour faire la décharge dans l'ampoule. Et ici, un compensateur. Voilà, voilà. Hop. Donc vraiment très très sale. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais le démarrer parce que là, il est un peu hors d'usage. Voilà. Hop. Donc ça de côté. Donc la coque, elle est plutôt en bon état. Voilà. Ici pour mettre le mât. Voilà, voilà. Et là, les fixations. Voilà. Donc, tout ça, voilà, ça va avec le lampadaire. Donc, je trouve vraiment le lampadaire très, très joli. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais l'amorcer pour voir le ballast, pour essayer. Je vais aussi le nettoyer un peu. Voilà, voilà. Hop. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao.